présente mes plantes d'intérieur. Ça faisait un moment que je voulais tourner cette vidéo et j'ai enfin pris le temps de me poser et profiter du soleil et de la lumière du zénith pour vraiment filmer enfin ce plan de tour parce que jusqu'à présent il faisait pas très très beau. On est en plein cœur de l'hiver et c'était très brumeux et il n'y avait pas beaucoup de luminosité. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous ferai un autre plan de tour où peut-être que pour les orchidées je verrai parce qu'elles sont en train de refleurir, donc je vous souhaite un bon visionnage et puis voilà. On va commencer par le pothos, un pothos, c'est marrant pothos quand même, marbré. Il faut que je le rempote parce que plastique je laisse pas en général. Là j'ai une oya, j'appelle ça la fleur de porcelaine parce que les feuilles elles sont dures et les fleurs qu'il peut avoir c'est comme des espèces de porcelaine. Donc pour l'instant elle a pas encore fleuri donc je la laisse tranquille. J'ai un autre pothos, pothos argenté, je le trouve trop beau. J'ai cherché longtemps avant d'en trouver parce que généralement on trouve cela, mais moins bien cela et j'adore. C'est un peu doux. Ça c'est un Paphiopedilum, donc le sabot de Vénus. Il est en train de me faire une pousse. Je suis super contente. Il y avait des fleurs au début et elles se sont toutes séchées. Là j'ai un autre Paphiopedilum, donc c'est une orchidée aussi. Il n'y a qu'une seule fleur. Là il y a plusieurs fleurs. C'est un Alors celui-là c'est un Paphiopedilum Pinocchio. Il y a plusieurs fleurs sur les hampes florales. Et là, tadam, je suis trop heureuse, il y a une hampe florale qui est en train de pousser. Elle se plaît bien. Phalaenopsis, donc j'en ai un mini qui est en fleur depuis que je l'ai. Donc ça fait au moins 3 mois et il est tout petit. Il me fait des racines quoi, il y a des racines qui sont bien. Celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ensuite, ça c'est une orchidée, ça aussi. Ça s'appelle un Masdevallia, je vous mettrai des photos quand elle était en fleur. C'est un Maranta. C'est un peu velouté aussi, comme le pothos. C'est trop beau les couleurs. Ça, c'est une orchidée Vanda. Donc là, il y a un petit kéki, vous voyez. On appelle ça un kéki. C'est un deuxième pouce. Lui, c'est pas vraiment un Vanda. Je ne me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai. Je l'ai acheté sur internet, donc j'ai pas pu la choisir. Donc je sais pas si elle est vraiment en bonne santé. Je trouve qu'elle est un petit peu comme ça, mais bon. Normalement, elle est jaune et j'espère la faire refleurir. Donc, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Là, elle a terminé sa floraison. Je vous mets une vidéo que j'avais filmée quand je l'ai eue. C'est les racines aériennes, vous voyez, c'est très particulier. Ça, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une fougère pâte de lapin. Parce qu'il y a des rhizomes comme ça. Ça fait partie de la famille du Maranta. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Je crois que ça fait partie. Ça s'appelle un Calathea. La particularité de cette plante et de cette plante, c'est qu'on appelle ça des plantes dormeuses. C'est-à-dire que leurs feuilles, elles bougent dans la journée et dans la nuit, en fait, en fonction de la luminosité. Donc là, en fait, elle est pliée, on va dire, voyez. Elle prie, c'est comme si elle mettait ses mains, vous voyez, hop, en prière. Enfin, comme si elle faisait hop, comme ça. Une dormeuse, je sais pas pourquoi, ou une plante qui prie ou une dormeuse, ils appellent ça. Et je trouve ça super beau, et elle me fait une... il y a une pousse, c'est marrant, elle est verte du coup. C'est un anthurium, bon j'avais des moucherons, donc j'ai acheté ce truc collant, pour que les moucherons viennent se coller. Ils m'ont saoulé parce que c'était très chiant, donc j'espère qu'ils vont tous crever. Bon, j'ai un petit peu foiré l'arrosage cet été. Là aussi, c'est un anthurium. C'est les deux qui me restent parce que j'en avais 4 et il y en a 2 que j'ai complètement foiré. Vous voyez, ça, c'est des problèmes d'arrosage. Ils ont souffert de la chaleur. Il fait trop chaud cet été. Monstera, il faut que je le rempote. Et une aloe vera. Donc, bon, pour l'instant, je crois qu'elle est plutôt bien. Je m'en occupe très peu, en fait, parce qu'il faut... C'est des trucs du désert, donc il n'y a pas trop besoin de s'en occuper. Une fleur de lune, Spatifilium. Je suis super heureuse. Elle m'a fait des fleurs. Allez, fais le zoom. Voilà. Et une deuxième qui arrive. Là. Ça, c'est une autre sorte d'orchidée qui a des feuilles dures et des espèces de bulbes. Celle-là, elle a terminé sa floraison. Donc, je la laisse là pour l'instant pour qu'elle me refleurisse. Pareil, un deuxième Cattleya. Et ils ont des bulbes, vous voyez, c'est très bizarre. Et la fleur est terminée et c'était très beau. Encore une orchidée et c'est un Paphiopedilum. Lui, il me fait des pousses. Oui, c'est un hybride américain. Et j'attends, je lui laisse vivre sa vie. Autre plante que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, un Oxalis. Ça, c'est joli, ça se ferme la nuit et c'est comme des petits papillons. Une chaîne de cœur. Oh là là, je trouve ça trop beau.
Et il est trop petit dans son pot là, c'est pratique parce que je peux la suspendre. Pour l'instant elle est pas trop mal. Là j'ai des pensées, c'est des plantes très résistantes pour l'hiver. Bruyère, ça c'est mon cyclamen qui résiste. C'est une plante grasse qui va fleurir au printemps. Je vous montrerai ça dès que ce sera refleuri. Ça fleurit une fois par an, c'est des fleurs jaunes, c'est trop beau. Je ne connais pas le nom scientifique. Bon, ça c'est un, je ne me rappelle plus du nom. Donc là il est plutôt bien. Sauf qu'il y a des moucherons, donc là c'est moche du coup, mais c'est pas grave. Et ça aussi c'est un alocasia d'une autre sorte, monnaie du pape. C'est joli aussi, c'est un bégonia escargot. Donc ça c'est un, je sais plus, je vous mettrai le nom des machins. Alors elle me fait une nouvelle pousse, et je suis super heureuse. Et une ampe florale. La ampe florale, elle est là. Je vous montrerai ça dans quelques semaines, quelques jours, je sais pas combien de temps elle va mettre. Phalaenopsis, elle est énorme celle-là. Vous voyez, un petit peu. Elle se porte plutôt bien, elle a des jolis trucs. Pour l'instant, elle est en dormance. On attend qu'elle se repose pour refleurir dans quelques temps, si elle a envie. C'est un foirage total. À cause de l'arrosage, il y a de l'eau qui est restée coincée. Non, c'était pas ce cache-pot-là, c'en était un autre. Et le cache-pot, il y avait de l'eau dessous. Et ça a tout foiré le bazar. Donc bon, là, elle n'a pas l'air d'être complètement morte. Mais c'est une orchidée qui sent bon. À voir si elle décide de vivre. Et là, tadam, j'ai une petite pousse. Donc ça, c'est super. Donc, c'est des orchidées avec des bulbes. Donc l'eau, elle se trouve dans le bulbe. Ça, c'est une Phalaenopsis. Elle me fait une nouvelle racine. Elle, pareil, elle est comme sa copine de là. Elle est un peu en dormance. Petite poussette qui arrive. Ici, là. Nouvelle pousse, donc c'est bien. Là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, ah, une petite pousse. Je viens juste de le voir avec vous. Fais le zoom, toi. Allez. Oh, il veut pas faire le zoom. Voilà. Attendez, je crois qu'il y avait des ampes florales en attente. Ah oui, oui, oui. Il y a une ampe florale ici. Tac, ici. Voilà. Donc là, elle va refleurir. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tac. Après, il faut leur laisser le temps aussi hein, de se reposer. C'est la plante qui, si elle est bien, elle refleurit et puis voilà.